Oui, bonjour, mon nom c'est Stéphanie, je suis entraîneur ici au CrossFit et en haltérophilie. Ça va bientôt faire 3 ans que je m'entraîne en CrossFit, 1 an et demi en haltérophilie. Aujourd'hui, on va faire encore un entraînement. Excusez, il y a beaucoup de matériel par terre, il faut toujours faire attention quand on est ici, il y a beaucoup de choses un peu quand on arrive à un entraînement. On va faire encore un warm-up, un réchauffement. Un mouvement qui va être plus technique, où on va travailler sur les barres aériennes. On va avoir un walk qui va être un peu divisé en deux. Ça va être un petit peu différent de la dernière entraînement qu'on avait fait ensemble. Pour le premier réchauffement, on va faire du wall walk, c'est-à-dire c'est un push-up marché sur le mur. Je vais vous le montrer en progression. Je vais vous faire montrer un exemple par Alexandre. Quand on commence, le but d'un wall walk, je vais vous l'expliquer, c'est d'aller, dans le fond, se rapprocher le plus proche du mur possible, de redescendre de façon contrôlée et de remonter. Donc, une façon de progression pour le voir, c'est de le commencer, mais d'y aller moins haut. Alexandre va vous le montrer. On commence, on accote les pieds au mur, on lève le push-up et on monte le mur. On approche les bras, on peut arrêter ici et on redescend. Ça, c'est une façon de le travailler à la maison pour se renforcer un petit peu puis être à l'aise avec le mouvement. Quand on est plus fort, quand on est plus à l'aise, on peut le refaire et se rapprocher le plus du mur possible. On va rapprocher, se coller la bédaine et redescendre. Il faut toujours contrôler le mouvement. Le but, ce n'est pas d'aller tomber sur le sol et de se blesser. Fait qu'il faut être conscient aussi de la force de nos épaules. Une autre façon qu'on peut le faire aussi, c'est de le remonter et d'essayer de ne pas aller coller les cuisses au mur puis d'aller toucher notre nez au mur. Toujours contracté, comme ça. Et on redescend. Donc, le warm-up, ce qu'on va faire, ça va être un wall walk comme ça et deux, un jumping squat. On refait un wall walk au mur, deux jumping squats. On refait un wall walk. Donc, si on comprend bien, c'est toujours un wall walk puis on augmente de 1 le jumping squat. Le jumping squat, on saute. On va faire une grenouille. Le squat est toujours, on casse toujours un petit peu le 90. On pousse sous les fesses, on remonte toujours le dos bien droit. Donc, on a un petit 2 minutes pour se réchauffer. On fait ça pendant 2 minutes de temps. Ensuite, on va faire le mouvement qui est technique. Go! C'est un mouvement, des fois, qu'on peut faire par répétition d'une dizaine de coups. On vient qu'on se fatigue vite. Fait qu'il faut quand même prendre notre temps pour pas se blesser, pas tomber aussi. C'est toujours aussi important de contrôler la descente et de ne pas nécessairement juste glisser et tomber la bédaine au sol. Ils sont rendus à 2 jumping squats. C'est un réchauffement qui va mobiliser beaucoup les épaules. On va avoir les abdos, les cuisses. Ça va vraiment chercher beaucoup de groupes musculaires. C'est ce qui est le fun ici, c'est qu'un entraînement en salle, ça va être des mouvements qui vont être regroupés. On fait du chest-bras. Ici, tous les groupes musculaires sont travaillés dans un entraînement. On va sortir d'ici, on va avoir mal aux abdos, on va avoir mal aux cuisses, on va avoir mal aux mollets, on va avoir mal aux bras, aux trapèzes. C'est vraiment un entraînement qui va être très complet. Même quand on a l'impression de ne pas avoir fait d'abdos, on a mal aux abdos. Lever une barre, on est toujours contracté au niveau des abdos, au niveau des lombaires. Toujours bien important de ne pas oublier la technique, de faire le mouvement complet. Il vous reste à peu près 30 secondes. On lâche pas la gang. Il vous reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Donc, pour aujourd'hui, notre warm-up, c'était ça, notre réchauffement. On va commencer par voir après ça le mouvement technique. Ça s'appelle un muscle-up bar. Il y a deux façons de faire des muscle-up, c'est soit sur les anneaux, mais ici, on n'est pas installé encore pour ça. Donc, on fait sur les barres ici. Un muscle-up, Félix, je vais vous montrer un mouvement complet de qu'est-ce qu'est un muscle-up. On a vu la dernière fois un mouvement pull-up où il fallait passer le menton. Là, il faut venir passer tout le haut du corps, passer les épaules, déplier en haut de la barre. Un muscle-up,
qui est comme ça ici. Ce qui est important quand on fait un mouvement muscle up, c'est d'aller chercher le mouvement, c'est pas le menton qui passe, c'est d'aller rapprocher la barre plus vers les hanches. Puis quand on arrive en haut, le mouvement qui va nous aider à passer par-dessus les épaules, c'est de faire comme si on voudrait mettre notre capine de chandail. Donc, on va aller chercher le mouvement comme ça. Donc, on va pratiquer les muscle-up. Avec Sarah, on va pratiquer une façon alternative de comment apprendre à faire le muscle-up. La partie pour venir chercher en haut. On vient prendre un box, on s'installe. Ça va venir nous aider à passer par en haut parce que c'est la partie qui est la plus compliquée. Souvent, les gens vont bloquer ici. Ils ne seront pas capables d'aller chercher en haut. C'est le mouvement d'aller chercher en bas du bassin. C'est un des mouvements CrossFit qui est le plus complexe à apprendre. Il faut travailler fort, il faut le pratiquer beaucoup. Il met de la craie ici, c'est pour aider à ce que ça glisse un petit peu sur les barres pour ne pas se blesser le dedans des mains. Tu peux pas le faire avec le box? Il n'y a personne sur les barres! Ouais. C'est à ton tour, Sarah. Un point technique qu'il faut vérifier avec le muscle-up, c'est qu'il ne faut pas que les pieds aillent plus haut que la barre quand on va chercher le ballon pour rapprocher la barre aux hanches. Wouhou! C'est d'exagérer aussi un petit peu le mouvement des épaules comparativement avec le pull-up. Il faut vraiment aller en avant, rapprocher de la barre au niveau des hanches. Ouais! Good! Good job! Là, tu allais faire un mouvement de gym, là! Super! Super! Comme je vous disais aussi dans la dernière capsule, chaque athlète ici ont des objectifs un petit peu différents. Je sais que Félix a bien hâte de faire les Open, il aimerait bien ça se classer dans les plus hauts pour pouvoir un jour aller dans les CrossFit Games. Good! Là, Sarah nous a fait un chest to bar. Ouais, good! On va en faire encore un petit peu, puis après ça, on va s'installer pour le défi du jour. Good job, Alex. Est-ce que vous êtes prêts à décoller pour le défi? Prendre une petite gorgée d'eau. Le défi du jour aujourd'hui se divise en deux parties. Mais pour aller à la deuxième partie, il faut réaliser la première. C'est un beer complexe qu'on appelle. C'est un mouvement qui est en continu qu'il ne faut jamais nécessairement lâcher la barre. On peut la déposer en transition d'un mouvement, mais il ne faut jamais la lâcher. Donc, Alexandre, tu viendrais-tu me faire une petite démo de qu'est-ce qu'un beer complexe? On commence par faire un épaulé debout. Un front squat. Un push press, on va porter la barre arrière. Un back squat, une flexion arrière.
On pousse la barre en avant et on redépose la barre. Ça, ça fait un. Il faut qu'il réalise 7 fois. Fait que ça, c'est la première partie du wood. Ils peuvent déposer la barre, mais jamais la lâcher. La deuxième partie du wood, c'est deux mouvements qu'ils vont devoir réaliser et ils vont monter de deux. Donc, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, tant qu'ils sont capables d'en faire pendant un temps donné. Donc, le premier mouvement qu'ils vont avoir à réaliser, c'est du deadlift. Deadlift, c'est un mouvement qui peut sembler quand même assez facile, mais c'est tout. On travaille beaucoup avec des charges qui sont pesantes. Donc, la technique est vraiment très importante pour protéger son dos. Il faut protéger le dos, donc toujours le dos bien droit. On pousse un deadlift. Le deadlift, stop. Alexandre le fait les mains comme ça, mais on peut le faire une main devant, une main derrière. On regarde toujours droit devant, en posant les talons. On lève droit, on bloque les hanches. C'est un mouvement de deadlift. Ils vont devoir en faire 2, 4, 6, 8, entrecoupé de un handstand push-up. Un handstand push-up, c'est un push-up la tête en bas, les pieds au mur. Hein? Oui, ça va être 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8. Avec un keeping, avec, en s'aidant les jambes, en poussant les pieds, aller chercher les talons jusqu'au mur, ils vont déplier les coudes, locker les coudes en haut, faire un handstand push-up. Le mouvement de jambes nous permet de nous propulser en l'air. Ça va faciliter le mouvement. Quand on commence, c'est sûr que ça peut paraître un petit peu épeurant de se mettre la tête en bas puis de faire ça. Il y a toujours des moyens qui sont un peu plus alternatifs, comme de le faire avec un box jump. On vient juste se mettre la tête en bas ici comme ça. Puis on vient faire un push-up comme ça. Donc, c'est une façon d'adapter le mouvement. Donc, les athlètes vont s'installer. Ils vont avoir un 15 minutes pour pouvoir réaliser le plus de répétitions possible dans le 12 ou 15 minutes là, qu'on s'était donné pour faire le défi. Ils vont prendre leur première barre parce que la première barre est plus légère que la deuxième. Le bir complexe, tout ce qu'il faut qu'ils fassent des épaulés, du back squat et comme le mouvement au complet est plus légère que le mouvement de deadlift à la fin. Dans le matériel qui sort aujourd'hui, vu qu'il y a du deadlift pour protéger leur dos, il y en a beaucoup d'athlètes qui vont mettre leur ceinture pour ne pas se blesser. Oui, ouais, c'est sûr, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On vient d'avoir une petite idée là, modifiée. Là. Ils vont commencer par les handstand push-up, faire le deadlift ensuite. Comme ça, ça va nous laisser le temps de changer les barres de place. Donc, ils vont commencer par le bir complexe. On a mis un 15 minutes. Est-ce que tout le monde est prêt? On n'oublie pas, la barre, on ne la lâche pas. Déposez, puis vous redécollez, vous le faites 7 fois. Épaulez, un front squat, go! On épaule, un front squat, un press en arrière la tête, back, en avant, on dépose. C'est ça, puis on le fait 7 fois. Toujours en front squat, il y a des mouvements qui sont comme ça. Toujours essayer de regarder droit devant, barrer son dos, pas oublier la technique. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. Quand on prépare les woods comme ça, puis qu'il y a des petits mouvements comme ça, les poids sont souvent suggérés. Comme aujourd'hui, pour les femmes, c'était un 25 kg et pour les hommes, c'était un 40. Mais le poids est toujours suggéré, il n'est pas obligé. Il y a souvent des catégories de poids A, B, C ou D, puis on va souvent l'adapter aussi pour chacun. Là. On ne donne pas des choses qui sont obligées à tout le monde. On va écouter nos athlètes. S'il y a quelqu'un qui arrive, qui est un peu plus fatigué, qui est raqué, qui a une douleur à un genou, mais ça, on écoute nos athlètes, on fait attention à eux autres, on ne veut pas qu'ils se blessent non plus. On a Alexandre qui a terminé. Okay. Sarah qui a terminé. Jimmy qui a fini. Bon, fait que le wood est commencé, on les a vus faire, ils ont fait deux handstand push-up, ils vont faire deux mouvements de deadlift. On n'oublie pas que la technique est importante, pas se blesser.
c'est tout le temps un wood, c'est un peu plus difficile, c'est toujours en progression. Fait que ça commence, on a quand même un certain beat, à la fin, ça peut ralentir un petit peu, c'est normal. Prends notre temps, on garde un beat. On pousse dans les jambes. C'est pas le dos qui travaille, c'est les jambes. Let's go, la gang, on lâche pas! Ouais, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ouais, hein? Ouais. Prenez votre temps. Ça, c'est quoi? Si vous venez ici, vous allez entendre souvent, prenez votre temps. La technique est importante pour vous faire mal. Good job! On lâche pas. Sarah qui est super rapide, c'est un stand push-up. Let's go, on lâche pas! Si vous fouillez sur Internet, vous pouvez voir beaucoup de vidéos sur le CrossFit, sur l'haltérophilie et des choses comme ça. C'est à faire attention aussi. Si vous voulez réaliser ces choses-là à la maison, ça prend quand même des entraîneurs qui peuvent vous montrer la technique pour ne pas vous faire mal, pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Là. Le but de ça, c'est pas de blesser nos athlètes. Le but, c'est de leur montrer à bien travailler avec des charges qui sont pesantes, qui les rendent plus forts, plus agiles. On est là pour les encourager et les aider à progresser. Let's go, let's go! N'oublie pas la technique! Cinq minutes de fête, la gang, on lâche pas. On chope, on chope, on chope, non. Go, go, go! Je sais que vous aimeriez savoir de la bonne musique, mais il n'y en a pas. Crainquez-vous! Let's go! Comme vous pouvez voir, il y a Félix qui a un petit tapis noir. Ça s'appelle un hamat en dessous de sa tête. Ça va l'aider aussi à progresser et pas se faire mal à la tête ni au cou. C'est un mouvement qui est à faire attention aussi pour ne pas se blesser. Il faut bien descendre avec nos épaules et non écraser en dessous de notre poids. C'est un mouvement qu'il faut contrôler. Puis comme je vous disais tantôt, il y a des façons de le travailler pour que vous soyez à l'aise. Il a mis des plates en dessous de ses mains pour être comme égal aux autres. Pas parce qu'il y a ses plates ou ça a l'air peut-être plus facile ou plus difficile, ça donne la même chose que les autres. C'est juste plus mou pour sa tête. Le mouvement technique, il faut faire attention. C'est les talons, quand on pousse en l'air, les talons viennent toucher au mur, les fesses, il ne faut pas qu'ils touchent au mur. Ça peut juste se retoucher quand on est en bas. Lâchez pas, gang! Let's go, let's go, let's go! On lâche pas! Super. Pousse les jambes.
Barre le dos. Let's go, let's go. Go, go, go! Let's go, let's go! Lâchez pas, lâchez pas! On va arrêter à 12 minutes, il vous reste 3 minutes, let's go! On va arrêter à 12. À la fin d'un wood comme ça, quand c'est pesant, les athlètes sont souvent plus fatigués. C'est plus difficile. Faut se parler, faut se craquer. Faut pas oublier la technique. Faut qu'ils prennent le temps aussi de s'écouter. Super, la gang, on lâche pas. Go, go, go! Lâche pas, lâche pas. On pousse. Servez-vous de vos jambes. Let's go! Good, Sarah. Lâche pas. Viens tomber. On lâche pas. Let's go! Les athlètes ici, ils ont souvent chacun ses forces, chacun fait ses faiblesses. Tout le monde est là pour travailler, puis être ensemble, puis faire du fun. C'est pas grave s'il y en a un qui a des forces qui sont meilleures que toi. Il y a personne qui est là pour juger personne. On lâche pas, let's go, let's go! Ça achève! Une dernière minute, let's go! Go, 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 go! Chercher des répétitions, let's go! On continue! 15!
10. 5, 4, 3, 2, 1. Terminé! Good job! Ça arrive souvent ici où les athlètes en CrossFit que s'ils n'ont pas fini de se rendre où ce qu'ils voulaient se rendre, ou si le timer puis le buzzer il sonne avant la fin de où ce qu'ils voulaient se rendre ou terminer le wood, ils vont continuer quand même. Good job, gang! Ils vont continuer, ils abandonneront pas. Le monde a du cœur, ils ont de l'esprit. Ça va tout le temps se taper dans les mains comme ça. Moi, j'aurais aimé ça vous les présenter un petit peu plus. J'ai Sarah ici. Je vais te donner un petit peu de micro. Sarah ici. Sarah, un qui peu fait essoufflé. Un peu essoufflé. Toi, pour toi, le CrossFit, c'est quoi? Moyen de se défouler. OK. Il y a tellement de choses qui vont vite dans la vie. On fait assez d'affaires qu'on dirait que c'est le moment où tu penses à toi puis que tu. Je sais pas, tu lâches tout. On dirait que quand on sort de d'ici, là, t'es. Ça va bien. Quand on rentre ici, il n'y a plus de problème. Puis. Reste les problèmes à la maison. C'est bon. Toi, Alexandre? La même chose. La même affaire. Défouler, venir voir du monde. Alexandre est rendu entraîneur avec nous autres aussi. Fait que si vous venez par les soirs et vous voulez venir l'essayer, ça se peut que ce soit lui qui vienne nous accueillir. Oui, c'est ici que je me suis fait le plus d'amis. Ouais. Toi, Jimmy? Un entraînement pour se dépasser. OK. Super. Félix, toi, c'est quoi? C'est un défi personnel. C'est pour se surpasser soi-même. C'est bon. Donc, vous voyez qu'il y a toujours plein de raisons de venir ici. Il n'y a personne nécessairement que c'est tout le temps pareil. Mais on est tous ici parce qu'on se sent bien. On rentre ici, ce qui se passe à la maison reste à la maison. Quand on passe la porte, on est juste là pour pousser nos propres limites. Donc, sur ça, je vous souhaite bonne journée.